s'en vient. OK. OK. Alors, nous sommes live, mon cher. Ah oui? Ah ouais, arrête là. Bon, là, je suis live on Facebook. Bon. Alors, on continue? Oui. Hey, oui. Ben, je sais qu'on là, on était dans un mindset de discuter de coronavirus, Trump et leadership, mais j'aimerais ça, j'aurais des questions sur ta série. Juste qu'on s'assure d'avoir un petit peu de temps là-dessus. Là. OK, parfait. Puis là, je vais juste faire la petite intro. Là. Ben, salut aussi, il y a des gens qui me saluent. Bon, là, Guillaume et moi, ben, comme vous le savez sûrement, vu que vous avez liké notre page, on a un podcast qui s'appelle Répète pas ça. Et Guillaume a eu la brillante idée de relancer un peu la formule via live. Fait que là, on fait des lives Instagram où on passe la première demi-heure du 14h chaque mercredi sur Instagram. Après ça, on vient sur Facebook pour faire un live, un genre de deuxième heure, là, la continuité, la suite. Ouais. Ouais. Il y a l'impression d'être un peu sur toutes les plateformes. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, on s'est dit, bon, la première heure, deuxième heure, on aimait bien ça la dernière fois. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances? Ben, on s'est dit, OK, première demi-heure ou première partie sur Instagram, deuxième partie sur Facebook, là, ça va peut-être switcher sur YouTube la semaine prochaine. On va vous le dire, on va tout le temps vous mettre au courant. C'est ça. Fait que merci de l'intro, Alex. Pas trop. Là, avant de continuer, est-ce que c'est toi qui s'occupe? Veux-tu que je garde un œil sur les commentaires? Ouais, peux-tu garder un œil là-dessus, hein? Ouais, j'essaie juste de me faire un setup pour que je puisse voir ma page en même temps. Fait que ce sera pas long. C'est bon. OK. Es-tu stressé pour asseoir, toi? Pas en tout. Ah, oh, t'étais supposé dire oui. Ah, oui. Ah, excuse, oui. Là, je suis plus stressé que mon iPad qui veut pas quoi. Je suis pas bien ben stressé, moi, pour ces affaires-là. Écoute, j'ai été stressé. Je suis plus stressé comme pour faire un live Instagram ou faire ça. Puis comme. Là, moins, mais la semaine passée, quand on a lancé Répète pas ça live, là, j'avais la patate qui allait chez nous, parce que je voulais comme bien... Ouais, j'étais comme... Fait que mon stress, il embarque à des endroits bizarres. Quand on a présenté la série au rendez-vous du cinéma québécois, OK. Quand ça partit, puis le monde dans la salle, comme c'était la première fois que je voyais un épisode de la série, puis c'était la première fois que je voyais aussi comme la réponse humaine. Oui, 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 oui. Là, je pense que mon cœur, il a monté à 160. Là. Mais attends, là, je ne le savais pas, là, ça. Fait que tu as passé l'épisode 1 en salle? En fait, là, les rendez-vous du cinéma québécois, c'est comme c'est un festival quand même connu dans le milieu du cinéma. Mm-hmm. Puis c'était à la Cinémathèque, ça s'appelait les rendez-vous des web-séries. Donc, c'est les nouvelles web-séries qui vont faire jaser en 2020. Ouais, OK. Les nouveaux projets le fun. Fait que je faisais partie de tout ça. Puis on monte un épisode, soit le premier ou notre préféré. C'est un peu une carte de visite. OK. OK. Fait que là, on a montré l'épisode 2. OK. Et j'étais stressant tabarnak. OK. Mais là, comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je te dirais que mon pouls est revenu à la normale au premier rire qu'on a eu en salle. Oui, 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 oui. Pour un humoriste, c'est ça. Ça va mal jusqu'au premier rire. Mm-hmm. Mm-hmm. Et après ça... Ça va mal jusqu'au premier rire. C'est ça, hein, l'humour. Hein? C'est ça qui est... Je parle de l'humour hein, de temps en temps dans mes formations de psychologie parce qu'il y a très peu d'études scientifiques qui étudient le rire. Ah oui, hein? C'est trop compliqué. On ne sait même pas par quel bout prendre ça. Ben, qu'est-ce... Ah, oh, ouais! C'est quoi la formule du rire? Comme la science, c'est pas... Dans le sens, ouais, c'est qu'est-ce qui déclenche cette émotion-là? C'est ça.
c'est pas facile, là. Fait qu'on ne sait même pas par quel bout prendre ça, comme scientifiquement parlant. Pourquoi tu éclates de rire? C'est quoi que ça prend? Puis pourquoi l'autre à côté n'éclate pas de rire à la même information? Bon. Puis comment ça se fait que des fois, les meilleurs humoristes, ils s'assurent que tout le monde va rire égal, là. Statistiquement parlant, là, tu as 95% du monde qui vont rire là, à cette intensité-là. Fait que il y a un calcul, c'est bien, bien mathématique. Hey, sais-tu combien ça prend de temps pour se rendre là? Là? Tu sais, un numéro de 8 minutes, là. Mettons, faire un gala, j'ai eu la chance de faire un gala à Juste pour rire, qui était un de mes... C'était sur ma bucket list, là. Oui. En 8 minutes, il y a des heures de travail. Des heures pour un 8 minutes. Oui, oui. Parce qu'il faut que tu le décortiques, puis là, il faut que tu ailles voir le plus de gens possible, puis voir... Et c'est des statistiques. Non, c'est vraiment tough, tu sais. Puis je vais t'avouer là que je donne des conférences, puis des fois je suis drôle. Mais t'es drôle, mais c'est ça que j'allais te dire. Même des fois, quand tu fais pas de blagues, comme il y a une affaire, là, tu donnes un crayon, je pense à la fille ou c'est une balle de tennis, vous êtes one-on-one. Ouais. Puis après ça, tu dis, tu vois ce que tu as fait là? Ben c'est drôle, les gens rient, mais c'est pas une joke. Non. Que tu donnes un comportement humain. Tu mets la doigt sur un comportement niaiseux que l'humain a. C'est ça. Mais c'est vraiment... Il y a des fois là, que je suis vraiment pas drôle. des fois, mettons, je donne une conférence, puis là, je ne sais pas pourquoi, mais là, je fais pas rire. Tu sais, ben je le sais un peu, là, mais pas 100%, mais je le sais que je suis pas dans la... Je le sais que je serais pas drôle aujourd'hui, là, je le vois. Puis il y a d'autres conférences parce que c'est un show d'humour. C'est carrément un show d'humour, mais tu sais, tu me redirais, mais Guillaume, refais ça. Ouais, je te dirais, je le sais pas. C'est un feeling sur le moment que je le sais que je vais puncher comme ça, mais je peux pas te le dire exactement comment. Fait que je me suis quand même penché sur la question sur qu'est-ce que ça prend pour rire absolument. Puis j'ai quand même cerné certaines variables. Que s'ils sont là, le rire va être possible. Et si d'autres variables sont là, le rire arrête complètement. Fait que ça, je suis rendu là à opérationnaliser, théoriser le rire. Wow! Mais est-ce que tu parles là que tu as de... Tu peux-tu comme le nommer, ce que tu as dit? En gros, ça correspond à une phrase que Daniel Fichaud m'a déjà dite. Tu sais c'est qui, Daniel Fichaud? Oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est comédienne avant tout, puis elle est coach également de jeu devant la caméra. Oui, puis elle est très, très forte en humour. Elle est très, très forte dans la mathématique de l'humour. Elle a coaché je ne sais pas combien d'humoristes. Elle catch les jokes. Elle, pour elle, c'est des maths. OK? C'est une des personnes que je trouve qui est la plus concrète puis la plus juste dans la compréhension de comment déclencher l'humour, déclencher le rire. Puis une des lois qu'elle a dit, c'est jamais plus de fun que le public tu n'auras. C'est-à-dire, si toi, tu veux faire rire, tu ne peux pas jamais avoir plus de fun que le public. Puis le public doit jamais sentir que tu as plus de fun que. Ça, c'est une des règles. Ça, là, c'est sûr, là, c'est tellement sûr, là. Mettons, sans théoriser ça, là, toi, tu reçois ça. Comment cette phrase-là, tu as l'air à savoir de quoi je parle? Ah, mais c'est carrément ça. Nous autres, bon, à chacun sa façon de la dicter, à chacun son wording, comme on dit, wording dans le jargon de l'humour, c'est comment, où est-ce que tu mets ta virgule? Quel mot t'emploies? Je peux parler de bouffe. Quand je parle de bouffe, j'aurais pu dire nourriture, mais bouffe, il y a de quoi de c'est pas fille, il y a de quoi dans le mot bouffe. C'est plus drôle que nourriture. Fait que ça, c'est un genre de wording. Mais Luc Sonné disait à l'école, crosse-toi pas devant un public, fais-y l'amour. C'est un autre wording. Alors, comment fais-tu l'amour au public? Non, mais tu comprends. Pour qu'il y ait un retour, et quand, pour que ce soit le fun au lit, il faut que tu aies une écoute. Tu sais, tu peux pas juste faire ce qui te plaît. Ouais. C'est exactement le même sur la scène. C'est ping-pong. Si tu fais juste envoyer des pings, le public va faire, ben Chris, pourquoi je te cite? Il aurait pu faire son show chez lui. Ouais. Ouais.
des fois, même aussi avec du rodage, un numéro qui va moins bien ou dans la prémisse, tu fais « Ah, j'ai pas eu le... Hey, » les humoristes, on vient à entendre le respire du public. Oui, oui. On fait « Ah, ils sont pas au même endroit que moi. » Fait que là, tu prends une pause, puis moi, des fois, ça m'arrive parce que t'as peut-être fait un... Oui. T'as peut-être déparlé quelque part, oui. T'es plus fatigué, fait que t'as peut-être oublié un mot. Oui. Mais je pense que tu l'as pas oublié, mais c'était l'autre show de la veille que tu l'avais. Fait que tu prends une pause, tu dis « Ah, là, vous l'avez pas catché, hein, vous comprenez. » 98 % du temps, tu as raison, le monde font comme « Non. » Fait que c'est juste à l'écoute. Non, c'est très précis, puis une des choses, tu sais, bon, quand on dit « jamais de plus de fun que le public tu n'auras », là, ou « crosse-toi pas devant ton public », là, c'est, il faut tout le temps, puis ça, mettons là ça, mon interprétation peut-être un petit peu plus là, avec des mots de psycho, là, ou scientifique, c'est, il faut tout le temps que le public ait tout le temps une longueur d'avance sur la conscience de toi. Si le public sent que toi, tu vois plus clair qu'eux, ils te suivent, puis ça éteint le rire, carrément. Pour que le rire arrive, il faut que tu vois quelque chose avant l'autre, avant l'humoriste. Il faut que tu vois plus clair avant. Il faut que sinon, ce soit... tu peux manipuler, puis la manipulation inhibe le rire carrément. Je vais te donner un exemple. Tu sais, il y a tout le temps du monde pas drôle, tu sais, qui essaie très fort d'être drôle, qui sont extrêmement pas drôles. Puis tu le sens là, avant même qu'il ouvre la bouche, tu fais « Ah, attention, il va essayer de me faire rire, je le sais, c'est terminé. Je le sais d'avance, ça va tellement être plate à mourir, puis je vais être obligé de faire comme... » Le malaise de faire semblant de rire. Oui. Si, mettons, quelqu'un dit comme « Hey, il va te conter quelque chose aussi! Hey, » quelqu'un te part de main, tu fais « Ok, vas-y, mais c'est beau, j'oublie ça, là, je veux dire. » La façon vient de finir. C'est comme, c'est terminé parce que tu fais comme, ah, ben si tu as déjà du fun, bonne chance, mais moi, je ne sers à rien. Le cerveau, tout est terminé. Fait, l'art de faire rire, c'est l'art de rendre le public tout le temps une petite affaire plus conscient que toi. Puis c'est comme ça que le public, il rit. Sinon, automatiquement, toi, tu te sers du public pour te valoriser, puis le mécanisme s'éteint. Fait, c'est vraiment précis, là, le cerveau, hein? Il détecte tout ça et fait « Non, moi, je n'embarque pas. » C'est vraiment intéressant, le rire, là, comme réflexe, parce que le rire, ce n'est pas vraiment une émotion, c'est un réflexe. Mais il y a un vrai éclat de rire, tu ne peux pas le faker. C'est ça ma question, parce que tantôt, j'ai dit c'est une émotion, mais c'est ça ma question. Si le rire, c'est une émotion que tu viens de répondre, là? Fait que le rire n'est pas une émotion comme pleurer, ou la joie, là. Pleurer non plus. J'ai la perception que pleurer et rire, c'est deux réflexes. Oui, pleurer est en lien avec la tristesse, c'est vrai, mais pas exclusivement, OK? Puis le rire est en lien, et pas nécessairement en lien avec la joie. Tu n'as pas besoin d'être joyeux pour rire. Tu as besoin d'être surpris avant d'être joyeux. Ça tombe dans le malaise aussi. Je pense que c'est un réflexe à un moment que tu es dans l'incontrôle. Donc, tu te contrôles en trouvant ça drôle. Je t'explique. Un de mes plus gros fous rires, c'est au funérailles à ma grand-mère. J'étais dans l'incontrôle. Je ne contrôlais pas ce qui se passait. Ouais. Et j'ai vu mon cousin. Mais en même temps, j'ai été capable d'aller focusser. J'aurais pu focusser juste sur le cercueil. Mais mon cerveau est allé voir mon cousin. Que j'aime d'amour, mais que une légère déficience, mais je le voyais comme rusher avec le cercueil, parce qu'on était les six petits-enfants à porter le cercueil. OK. Et lui, il était très mal placé pour quelqu'un qui rush à tenir un cercueil. Fait que je voyais comme l'image que tout allait. Et en riant, ah oui, je comprends. Tu voyais ça planter, là. Le cercueil s'ouvre, ta grand-mère, elle roule à terre, on remet son entier dans sa bouche. Tu voyais ça, là, toi. J'étais toute... Et ça me faisait rire qu'on n'a pas le droit de rire. Et là, je peux pas... Tu sais, fallait être professionnel à ce moment-là, là. Ouais. Mais tu veux, là. C'est intéressant ce que tu dis, Alex, parce que tu vois que
sais, je parle beaucoup dans mes capsules en ce moment de l'évitement, puis que l'évitement augmente l'anxiété. Tu te souviens de ça? Bon. Oui. Bien, l'évitement augmente n'importe quel phénomène de type émotionnel, même les émotions positives. Fait que plus tu t'essayes d'éviter une émotion positive, plus tu viens d'augmenter tes émotions positives. Fait que le fou rire, c'est ça. Par définition, c'est que tu es parti à rire, puis le cerveau fait que, mais non, voyons, non, si, fais pas ça. Fait que là, tu essayes de l'éviter. Mais plus tu l'évites, plus le torque devient fort. Fait que l'évitement va pour les émotions positives et négatives. Oh, wow! Fait que le fou rire, c'est l'affaire que tu essaies d'éviter. Plus tu essaies de l'éviter, plus ton fou rire, là, c'est de la dynamite. Là. C'est d'où les bloopers qu'on voit souvent là, sur les plateaux de tournage. Et Dieu sait à quel point ça coûte cher, une minute en tournage. Oui. Fait que là, tu ris, tu vois le réalisateur qui fait « arrête, arrête ». Fait que là, c'est exactement ça. Hey, non, mais c'est ça. Et moi, là, mon gros passe-temps dans la vie, là, tous les soirs, moi, je regarde des bloopers. Moi, c'est ça. Moi, là, c'est ça qui me fait du bien dans la vie. Regarder les bloopers. Regarder du monde travailler à pas rire. Moi, je peux regarder ça à 100 heures de fil. J'ai regardé les bloopers des beaux malaises, les bloopers de... Toutes les bloopers, des bloopers de Like Moi. Je suis un grand fan de Like Moi. Des bloopers de... Je sais pas s'il y a des bloopers. Est-ce que vous avez des bloopers de votre série Top Dog, vous autres? C'est ça que je vais écrire après pour essayer de les avoir. Hey, on ça, pas là, ça me prend ça. Ça, mais moi, là, c'est mon rêve, jouer dans une affaire, mais je te dirais, le plus important, c'est d'être dans des bloopers. C'est même pas le je veux vivre ça. Je veux tellement vivre ça, des bloopers, là. C'est tellement le fun. Moi, là, juste à regarder des gens qui travaillent à éviter de rire, ce que les larmes coulent, moi, c'est de la drogue. Mais c'est drôle que tu dises que tu veux être dans un projet juste pour être un blooper. Pour essayer de garder mon calme, puis, moi, là, c'est comme là, du bonheur de la drogue. Blooper. Toi qui as tellement l'air en contrôle et tu l'es, tu sais, c'est ça ta job aussi. Quand tu fais tes comment t'appelles pas tes séminaires, ouais, comment t'appelles comme tes conférences? Séminaires, formation. Ouais. Tu te dois d'être en contrôle, tu te dois d'être corporate, tu coaches des gens, tu coaches aussi des unions. Est-ce que des fois, ça t'arrive de l'échapper ou d'avoir un blooper en live, de perdre un peu de contrôle? Non, parce que le propos, ben premièrement, j'ai le droit de rire. Tu sais, c'est mon show. Je peux faire ce que je veux. Fait que si j'ai le droit, mon cerveau, il n'y a pas besoin de l'éviter. Fait que je tombe pas en fou rire parce que j'ai le droit. Tu comprends? Pour un plateau, c'est comme... OK, attention, et là, c'est le texte, le timing, on n'a pas le temps. On n'a pas le droit de niaiser. Oh my God! Fait qu'il faut que j'évite le niaisage. Oh my God, tu te ramasses juste avec le goût du cerveau qui veut builder ça. Non, je n'en vis pas. Mais j'aime ça avoir le fou rire, là. Colin, je sais pas si ça peut s'acheter, là, mais Christy, que ça, là, c'est le meilleur feeling au monde que... T'es bien capable d'arrêter. Mais est-ce que vous en avez eu, vous autres, des fous rires sur votre plateau? Puis comment ça s'est passé? On en a eu quelques-uns, mais c'était tellement un plateau excessivement intense dans le sens qu'on n'avait même pas une seconde. T'sais, c'était comme go. Oui, on a eu des bons rires, mais moi, mon plus gros rire, ça a été dans les prodiges. Écoute, je pense que... Ah oui! Ben oui! C'est que c'est drôle, ça. Ah, t'as écouté Les Prodiges? Ben, je suis un fan de ça, là, c'est clair. Là. J'aime toi, Julien Lacroix, puis Yannick. C'est leur gérant, à Yannick et Julien. Tu sais, il est handicapé, c'est Angelo Chiradi. Il est atteint de... pas de dystrophie musculaire, mais c'est en tout cas... Il est en béquille, puis il parle là. OK. Il peut vraiment comprendre ce qu'il dit. Ouais. Il arrive en Porsche à un moment donné. Parce que c'est le gérant émérite, là, tu sais, c'est... Puis il fait juste se lever du char, puis il dit « C'est moi le gérant! » Mais, écoute, c'est pas drôle, c'est moi le gérant! Mais sa face, le moment où il faut pas rire, Yannick et moi, on s'est regardés, là, on l'a repris, honnêtement, Guillaume, 27 fois. C'est sûr. Une fucking... Un mot, c'est moi le gérant. Une phrase. Ouais, mais ton cerveau, il sait que là, tu peux pas rire de lui, là. Fait que là, tu fais, ah non, ça, on peut pas rire. Ah ben, et voilà, vous venez de vous acheter
du fou rire en bar, c'est sûr. Parce que vous n'avez plus le droit, là. C'est comme, voyons donc. Il est super haut autorité. Puis deux, je veux dire, on rit pas de personne qui a un handicap, voyons donc. Hey, là, quand vous êtes vissé sur une chaise là, en train de rire, c'est sûr. C'est, je l'avais jamais vu de même, mais c'est exactement ça. C'est vraiment intéressant que l'évitement va dans les deux sens. C'est exactement ça. Oui. Ah, ouais. C'est intéressant. Mais Kim, j'aimerais ça voir les bloopers de Top Dog. Je te reviens. Je vais essayer de. C'est quand ta fête? 27 mai, ça s'en vient. T'as du temps. OK. Je vais essayer de te faire un petit package deal, là, un petit WeTransfer. Ouais, ben là, tu devrais mettre ça sur le web, là. Ouais, mais je veux que tu l'ailles. Tu vas l'avoir, genre, en primeur. OK. Ah, ben, moi j'aime ça, là. Tu sais, bloopers, Will Ferrell, j'adore ça. Bloopers. Wow. Beau malaise, j'aime ça. T'as un côté absurde. T'aimes l'absurdité quand même. T'aimes les. Je sais pas. Ça dépend. C'est parce que souvent, l'absurdité a le dos large. Là. Ça dépend quoi? Ça dépend. Ouais, non, je comprends. Parce que c'est ça que je voulais dire. Parce que j'aime pas ça de dire que quelque chose est absurde. Parce que justement, la fourchette est tellement large. Ouais. Quelque chose d'absurde ne l'est pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vraiment complexe l'humour quand tu y penses. Là. Ah, c'est vraiment un art. Je trouve ça tellement intéressant. Puis c'est un calcul. Puis j'ai remarqué, c'est impossible quelqu'un qui est vraiment, vraiment drôle et qui n'a pas un QI assez élevé. C'est pas possible vraiment, vraiment. Faut que t'aies... Parce que, ben, je pense qu'il y a une corrélation, je ne le sais pas. Mais Krim, tu me dis ça, puis ça me flatte, on dirait, dans le sens du poil. Fait que, merci. Mais... C'est parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui niaise puis le monde rit de lui. C'est pas de ça que je parle. Je parle de manier l'humour, de calculer des jokes. C'est parce qu'il faut que tu penses mathématique, mais il faut que tu penses empathique vers le public. Il faut que tu penses dans l'histoire. Il faut que tu joues quelque chose. C'est tellement des gros calculs. C'est tellement compliqué. Puis c'est facile de passer à côté. Puis c'est comme la même affaire juste à cause d'un silence. Puis on passe à côté, Guillaume. On passe à côté. Louis-José-Houd, puis on... Ils ont des carrières de 25 ans. Louis-José est au top. Martin Matt est au top. Puis ces gars-là, ils l'échappent. Il y a des soirs qu'il y a une joke. Puis c'est ça qui est beau. Ouais. Ah non, c'est vraiment hot, l'humour. Mais c'est vrai que c'est du multitasking. À chaque soir, tu gères une PME, mais pas mal plus grande que moyenne, ton entreprise. Tu gères tes employés, ton contenu. Tu as 8 leviers. Ouais. Fait que c'est-tu vrai d'abord que. Ben en tout cas, moi, ma mère, elle disait ça quand j'étais jeune. Elle disait le sens de l'humour, c'est un signe d'intelligence. Puis j'étais comme, ben non, ferme ta gueule. Je disais pas ça à ma mère, là, mais. Je disais pas ça à ma mère, là. Sorry, Liz. On encourage des relations parents-enfants. Non, mais dans le sens que j'étais comme, c'est quoi le rapport? On est juste drôle. Ouais, mais non, il y a une différence entre faire le clown. Puis avoir le sens de l'humour. C'est facile faire en sorte que le monde rit de toi, mais ça, c'est pas de l'humour, ça. C'est faire des pitreries, ce n'est pas de l'humour. L'humour, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Puis surtout, quand t'es drôle dans l'instant présent, là, c'est comme que tu saisis des opportunités, puis il y a des gens, c'est un show ambulant, là. Mais c'est pas. Puis je dis pas qu'il faut tout le temps faire de l'humour, hein, vraiment pas, parce que ça peut être une grosse façon d'éviter des émotions négatives. Je veux qu'on en parle, ce Guillaume. Oui, ça, c'est un grand classique, là. Un grand classique. Moi, des fois, il y a beaucoup. Moi, parler d'humour là, 100% du temps, là. Yannick Demartino, mon ami, ceux qui le connaissent, mais on se ressemble beaucoup là-dessus. Quand la job est finie, est finie. Tu sais, quand on a fait rire le monde, quand le show est fini, on parle de d'autres choses. Oui. Le monde qui veut tout le temps faire rire, là, qui ne l'a jamais, qui sont tout le temps personnages. J'ai beaucoup de misère. Oui, parce que c'est des conséquences au niveau des relations personnelles. Tu sais, tu peux faire rire le monde, mais le rire ne va pas nécessairement augmenter la qualité d'une relation. Fait que c'est des mécanismes séparés. J'ai accès à qui? J'ai accès à un personnage. Mais t'es qui? Je veux. Arrête. Ouais. Enlève ton personnage. Puis ça gosse encore plus quand tu connais le mécanisme en arrière de ça. Pourquoi la personne fait ça? Tu fais « come on ». Toi-même, là, on est amis depuis longtemps. Oui. Il y a une question, Guillaume. Oui. Votre opinion sur Pimentfort? Pimentfort, c'est un peu loin. Je dois avouer, c'est un Pimentfort. Moi, je n'ai pas d'opinion.
Puis j'ai jamais vraiment trippé sur ce show-là, vraiment. Ouais, moi, c'est là une nous. Je trouvais que c'était des jokes un peu faciles, superficiels, qui attaquaient des défauts de personnalité. C'était. Et du name drop. Ouais, moi, j'ai jamais. Sa neutralité, je te dirais neutralité totale, là, comme Ouais, je vraiment. suis pas mal du même avis. J'anime du monde qui nous dit comme The Office. J'ai jamais autant ri. The Office, j'écoute pas beaucoup d'humour, hein, moi, Guillaume, tant que Ouais. ça, là. Ouais. J'aime beaucoup les séries lourdes. OK. J'aime beaucoup les choses. J'aime les guns. Non, mais j'aime les magouilles. Si j'aime les trafiquants de drogue comme Ozark, j'avais Très top capoté. dogs, Ouais, Top Dog, ça. ressemble C'est un drôle. peu à ça. Non, je suis un fan. Moi, je suis un fan d'humour subtil où tu vois pas vraiment le punch. Où c'est tellement. Quentin Tarantino. Ah, OK. C'est juste dans les personnages ou Community, à ce qui paraît, c'est super bon. Fait que tu revois ça. Like moi, tu vois, c'est subtil. Des fois, je trouve qu'il étire un peu la sauce. On a pogné le gag, puis il continue, c'est comme, non, arrête là. Souvent, là, ça, c'est une des choses que j'aime le moins de Like Moi, là. Il pourrait arrêter, mais là, il pousse la joke, mais là, on la connaît. Fait que c'est comme, oh non, c'est comme, c'est plus Mais drôle, c'est là. parce qu'ils sont victimes de leur succès. C'est le même pattern qui revient, mais c'est un petit bon pattern. Mais je parle dans un sketch, je parle. Ouais, aussi, mais je comprenais ce que tu disais, puis moi, je parle après ça Ah, OK. au sens large. Je trouve que Ouais. ça pointe aussi ce que tu dis, mais oui, autant dans le micro que le macro. Mais bref. Ouais, non, mais c'est Très bien intéressant. écrit, tu sais. C'est Marc qui est vraiment bon, là, tu sais, dans son Ah, c'est un écriture. génie, ce gars-là. Fait C'est que, tu sais, Fait que là, cache toi, pas beaucoup, t'es-tu là. en train de t'écrire une deuxième thèse sur l'humour, ou c'est quelque Non. Non, non, je n'écrirai plus de thèse de ma vie, là, je pense. Non, moi, je suis correct, là, 11 ans de thèse, là. Non, mais je vais toujours être intéressé par toutes sortes de phénomènes psychologiques. Ça va toujours m'intéresser. Puis justement, rire, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Puis même moi, là, je cherche des affaires pour rire. Puis les affaires qui marchent le plus pour moi, ben, c'est des bloopers. C'est parfait, c'est parfait. Tu as tellement une job, mais tu penses que c'est justement parce que ta job est tellement. Hey, je perds mes mots aujourd'hui, là. Je pense que c'est la fatigue. Mais. Voyons, c'est quoi le mot, tabarnak? Pas, c'est je pense Tu es dans ta tête. ouais Hey, ben, tu as un job tellement rationnel, puis il faut que tu sois. Cérébral, non, c'est pas le mot, ben bref, ça va faire la job pour aujourd'hui, là. je comprends ce que tu veux dire mais oui Que là, ça, c'est ton exutoire. ouais moi je pense que oui moi je pense que moi quand je travaille plus là je suis vraiment niaiseux là je veux dire vraiment là c'est un vrai mongol je veux pas rester sérieux. Tu sais, il y a des fois que oui, il faut être sérieux parce que c'est un peu ça le service. Puis à un moment donné, faut que je fasse bien mon travail. Mais hey, moi, Ouais. quand je ferme mes affaires, là, je veux pas parler d'affaires trop sérieuses. Je veux rire. Je veux que ça soit léger. Tu sais, c'est pour ça, regarder un film, regarder des drames lourds après à la TV ou au cinéma, je suis comme, ah, oh, je suis capable d'apprécier ça. J'aime ça, des drames. Mais personnellement, je veux pas. Là. Moi, je veux rire. Là. Fait que moi, la première affaire que je vais aller faire, c'est regarder n'importe quoi qui va me faire rire. Ben, c'est comme l'autre fois, là, tu avais écouté, je pense que c'était un épisode qu'on recevait Rosalie Vaillancourt. Puis tu avais capoté, tu m'appelais le soir, tu me rappelais le Oui. matin, Alex, c'est drôle. Oui, ah, ça, là, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Et hey, j'avais ri pas à peu près avec Rosalie, là. Elle disait tellement des affaires qui n'avaient pas de sens, puis des affaires Ah, mais qu'on ne pouvait pas prévoir, puis on essayait de rapporter. Je me souviens encore de ta réplique, là. Elle vient dire comme, oh, j'ai assez hâte qu'il s'en aille, mon chum, pour que ma meilleure amie s'en vienne. Puis toi, tu l'as juste regardé, t'as fait, voyons donc, tabarnak! Puis t'avais ta vapoteuse, t'es tellement comme, voyons donc, tabarnak! C'est tellement. C'est tellement authentique, là. Ça, et moi, je pense que j'ai regardé cette 10 secondes-là en l'eau. Voyons, Chris! Mais
Mais je le sais qu'être honnête en disant ça. Eh oui, c'est ça qui est drôle. Fait que là, on est comme conscient de dire, hey, c'est tellement, tellement weird. Non, mais c'était vraiment. Moment, tout est comme en train de vapoter, comme. Ah, et ça, c'est. Non, j'ai. Dans ça, Rosalie, faudrait jaser un petit peu, là. Je voulais te poser la question. Moi, j'aimerais ça, des fois, recevoir des invités. Oui. Sur le Zoom, Rosalie, ça serait drôle. C'est une des filles qui me fait. Ben, c'est une des personnes qui fait le plus rire. Ah oui. Vraiment. Mais elle est brillante hein, aussi. Hein? Ça aussi, c'est un gros QI, ça, cette petite fille-là. Là. Puis. Ça va vite. Oui, exactement. C'est la vitesse d'exécution, c'est la vitesse d'esprit, c'est de tweaker la réalité avec toi, tes codes à toi qui ont du sens, mais qui ne sont pas les codes, en tout cas. Ouais. L'authenticité aussi, elle est très authentique. Oui, mais ça, c'est une arme qui est tellement importante pour un humoriste. Aussitôt qu'on sent le manque d'authenticité, le public va sentir que toi, tu es conscient de où tu t'en vas, puis là, tu nous enlèves le fun carrément. C'est pour ça que Justin Trudeau ne pourra jamais faire rire. Jamais. Hey. Jamais, là. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. Tandis que le go, il peut être drôle. Hey, il en a fait une bonne. En avril, on ne se lâche pas d'un fil. Mais c'est ça. Mais tu vois, elle n'est pas bonne, la joke. Mais c'est la mise. C'est très logo. C'est très... on le reconnaît, mais c'est parce qu'il lui, il parle au jeu, il est lui. Fait que c'est comme nous, on est tous relax, puis on a la liberté de juger ça, puis on est libre, puis on ne se sent pas manipulé, puis c'est fait authentiquement. Tandis que tu essaierais de mettre cette phrase-là dans la bouche à Trudeau. So, vous savez, en avril, ne pas se lâcher d'un fil. Arc, puis regarde son prompteur. C'est comme, on comprend pas ce qui se passe. C'est-tu drôle? J'ai-tu manqué de quoi? C'était comme drôle, mais je l'ai pas senti. Puis ça, c'est comme... Fait que non, être capable de faire rire, c'est un beau talent, ça. Ben, Krim, mais puis c'est... Oui, Chris, je pense que je... Sans l'humour, c'est intéressant, hein? Sans l'humour, il y a beaucoup d'humoristes qui disent « Ah, je pourrais pas faire autre chose. » Moi, je pourrais faire... Moi, il y a plein d'affaires que je pourrais faire. Mm. Fait que des fois... Non, mais dans le sens comme... J'aime ça construire des choses. Je pourrais être en construction. Je pourrais... Mais tu sais, ça m'allumerait-tu autant? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Fait que... Mais je suis content que dans le confinement... Ouais. Pas à ce point-là dans le faire rire. Ouais. Tu disais la semaine passée, là, que d'autres, tu mettes la pression de faire des capsules, faire rire, puis toi, tu n'es pas dans ce mindset-là. Non, puis je sors des projets. Tu vois, là, j'ai un nouveau projet qui sort la semaine prochaine, un petit live Instagram, un autre, mais qui est venu par soi-même. Il est venu par lui-même, ça m'a parlé. Je me suis trouvé créatif, j'ai fait oui. Fait que je l'ai fait pour les bonnes raisons. J'ai le goût de faire rire encore. Ouais. Mais je veux pas faire de quoi pour pas me faire oublier. Oui. C'est ça, tu veux pas faire quelque chose à cause de la peur. Chris, qu'on dirait que c'est ça ta job. On dirait, hein? De verbaliser naturellement des choses complexes. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande si tu as des bloopers dans le tribal. Ah, c'est sûr. Ben oui, hey. Il y en a plein où je... Hey, c'est la première fois que quelqu'un me pose ces questions-là. Jeanne Jaron, c'est drôle. Il y en a plein. Je pense pas qu'on les a gardés, là, mais tu sais, des fois, mettons, il faut que j'explique de quoi là, à la caméra. Là. Fait que là, OK, la caméra est là. Bon, OK, là, il faut que j'explique ça, le son, Ouais. Là, des fois, tu sais, moi puis Guillaume, le caméraman, il s'appelle Guillaume aussi. On marche, tu sais, puis là, on se dit, OK, gars, je vais marcher de même, je vais expliquer ce qui se passe là, puis bon, puis des fois, souvent, je vais m'enfarger, je vais tomber à terre, je vais manger comme une plante d'en face, puis tu sais, la caméra continue, puis moi, je me suis fait comme taper d'en face par une brosse. Oh, wow, ça a fait comme... Ouais, c'est ça. Il existe un paquet de choses, tu sais, souvent, je m'enfarge dans mes mots, là, souvent, je pars, puis... c'est quand je me rends au bout... Puis là, je regarde le caméraman, il fait comme « On va refaire, hein, je pense. » Moi, je pense qu'on va refaire. C'était tellement pas bon, là. C'était tellement comme... Je sais même pas ce que je disais. Fait que, oh, il y en a en masse de bloopers. Ouais. Ça aurait été le fun de voir ce côté-là. Je suis sûr que
Demande-y s'il y avait encore. Fais-toi. Ouais, j'aurais demandé. Il y a quelqu'un qui demande ici s'il va y avoir une section sur l'humour dans le livre de Guillaume. Bonne question, Guillaume. Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas parce que là, en ce moment, je suis rendu à 600 pages, puis là, l'éditeur me demande de ne pas en rajouter. Puis là, si je pars sur l'humour, il faut que je parte pendant au moins 50-100 pages. Puis là, à un moment donné, ça commence à dévier des processus de communication. Fait que j'essaie de ramener ça plus tight au niveau de ce qui se passe relationnellement quand une personne parle et tout ça. Pas sur trop de types de processus psychologiques. Fait que je mets pas l'accent sur l'humour. Parce que pour comprendre l'humour, selon ce que je dis là, il faut comprendre la mécanique de la conscience. Puis selon ma théorie, la conscience, c'est de la matière. Puis il faut comprendre des chocs de matière, des chocs de densité. Fait que faut que j'explique un paquet d'affaires pour comprendre pour arriver l'humour, le rire. Quand fait que là, je m'embarque dans un autre livre, carrément. Non. Est-ce que tu aimerais ça, l'écrire, ce livre-là? Oui, vraiment. C'est comme il n'y a pas grand-chose de connu là-dedans. Je ne sais pas si ça ferait un livre au complet sur ça, mais j'ai beaucoup d'idées de trucs sur lesquels j'aimerais écrire. Puis oui, définitivement, j'aimerais ça écrire sur certains réflexes, dont le rire, dont certains processus de la conscience, parce que la conscience puis le rire, c'est vraiment proche. Fait que... Ouais. Fait que les humoristes, on est conscients. Et oui. Pour être un vrai bon humoriste stand-up, il faut que tu sois hyper conscient, mais il ne faut pas que tu le laisses voir. C'est ça. Il faut que ça a l'air comme toi, tu parles. Faut pas que tu aies l'air de savoir où tu t'en vas. Il faut que le public sache tout le temps le petit mètre de plus d'avance qu'il y a sur toi pour qu'il cale la joke. Sinon, ça ne marche pas. Fait que l'art de faire de l'humour, c'est l'art de tout avoir prévu et l'art de ne jamais le montrer que tu sais où tu t'en vas. T'as fait tes écoles parce que Chris, c'est exactement ça. Hein? Pas pire, hein? Mais c'est exactement ça, c'est de faire comme si tu l'as écrit là. C'est de faire comme... L'affaire la plus tough en humour, c'est de faire paraître ça facile. Oui. Ah oui, oui. Aussitôt que tu forces, puis ça devient cérébral, ça devient intentionnel, c'est fini. C'est ça, le mindset n'a jamais été aussi important. Comme toi, justement, ça revient là, quand, à ce que tu disais au début. Là. Fait combien de temps qu'on parle? Là? On a combien de temps là, là-dessus? Il va falloir y aller assez bientôt parce que ça fait 40 minutes, 45 minutes. OK. Ouais. On va finir là-dessus. Mais tu sais, au début, que tu disais qu'il y a des fois où tu fais une conférence puis tu es moins dedans. Oui. Parce que toi, Chris, tu as un show d'humour, comme tu dis. Oui. Tu es la même personne, tu es la même, mais c'est le mindset. C'est pour ça que des humoristes, souvent, là, hey, on se prépare, là, on est dans notre bulle, là, c'est militaire. Là. Moi, Chris, je me pince les mollets. J'ai comme la même routine parce que c'est super anodin ce que je vais dire, mais je pense que tu vas être capable de sortir de quoi d'intelligent de ta bouche. Merci de compter sur moi. J'étais au bowling. Tu vois, ça ne sort pas fort. Non, ça ne sort pas très bien, mais... J'étais au bowling il y a deux semaines et j'étais nul à chier. À un moment donné, j'étais juste tout le temps faire la même stepette avant d'aller lancer ma balle. Fait que je faisais tout le temps la même... Je faisais ça avec mes pieds. Mais fouille-moi comment mon cerveau, il faisait tout le temps le même pattern, le même parcours que mon pattern physique. OK. Je faisais que des abats. Parce que je faisais tout le temps le même mouvement sur le timing. OK. Fait qu'avant un show, tout ça pour dire qu'avant un show, je le fais exactement. J'essaie d'avoir toujours la même routine. Me pincer un mollet, sauter sur place pour essayer de rendre ça le plus homogène possible et essayer de me donner une zone de confort. C'est ce que je comprends, c'est que tu veux trouver une méthode pour embarquer dans une traque que ton cerveau va s'y retrouver, une traque qu'il connaît, là. Exactement. Être en terrain connu. Oui, t'es pas dans la même salle. T'es pas devant le même public. Oui. Tout ce que t'as, c'est le même matériel que la veille. Oui. Mais les autres facteurs, tu ne les... t'es contrôles pas. Oui. Le plus possible... en étant le plus en zone, en terrain connu possible. Oui. Fait qu'essayez ça, la prochaine fois, vous allez aller au bowling. C'est une bonne méthode, hein? Trouver sa routine, là. Même pour les sports de précision, ils font ça beaucoup, avoir une routine. Tout ce qui est tir de précision, les snipers, tir à l'arc, joueurs de golf,
C'est tous des sports de précision où est-ce que ton cerveau, il faut qu'il soit là, tu sais, affûté comme une lame. Fait que tout le protocole, les actions mentales ou physiques qui mènent à un coup ou initier une game, ça fait partie des entraînements. On va se laisser là-dessus, mais à... parce que c'est pour ça qu'à la télévision, quand on voit des sports, des fois, on est convaincu qu'ils ont des tics nerveux. Oui. Non, c'est ça. Ils veulent faire en sorte que, par un effet placebo, que le cerveau fasse « OK, on connaît notre job. » Fait faut-tu convaincre que la job est là. Fait que, ouais. Ah, tu sais que c'est fascinant. Toi, quand tu tires de l'arc, est-ce que tu te frottes le nez, genre? Non, parce que je me mets pas pour l'arc. J'ai pas une grande volonté de performance là-dedans. J'ai un certain niveau de performance, mais je veux pas vivre ça comme ça, ma relation avec l'arc. Fait que pour ça, spécifiquement, je m'exige pas d'être si performant que ça. Non. Mais pour ceux qui font de la compétition, par exemple, là, ça, c'est une autre affaire. OK. Fait que les gens, là, mettez-vous pas de pression, puis visez en deçà. Ben, si on n'a pas besoin d'atteindre un standard élevé, on n'a pas besoin de le faire pour rien. Là, si ça donne du bien-être, on n'a pas besoin là, de forcer. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de forcer. J'achète clairement le futur livre hypothétique de Guillaume sur l'humour. Bon, tu as déjà un acheteur, Guillaume. Je lis les derniers commentaires. On finit celui-là, mais dans une couple d'années, ouais. Ça sera l'autre. Baseball au bâton, c'est routine après routine. Oui, baseball wow. Une cause. Ah, c'est eux autres que je pensais là, tantôt. Ouais. Mais... Hey, ils ont l'air, ça a poudre. C'est parce que c'est tellement de haute précision. C'est comme le baseball, c'est comme moins la mode, là, surtout au Canada, là, au Québec encore moins, mais c'est un sport qui allie le maximum de puissance avec une fraction de seconde. Un lancer, un frapper la balle, c'est grande puissance avec grande précision. Fait que ta tête, il faut qu'elle soit, je veux dire. Il faut que ça soit, là, elle soit sur le fil de la précision en tout temps. C'est loin que le baseball, ben, mais bravo. Puis Charles Chuck qui nous dit allô, les garçons, bien hâte de vous retrouver. Crème, on l'invitera. Chuck l'a dit, Thompson, qui vient nous demander ce qu'on a mangé pour déjeuner. Oui, c'est vrai. Hey, Guillaume, c'était super le fun. Ben oui, c'est cool. Moi, j'adore ça. Je suis super content. Puis bravo pour ta première à soir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, pour voir ça, là, moi? Tu peux aller sur la page, ça s'appelle Top Dogs Homicide, le titre de la web série. C'est sur Facebook ou quoi? Oui, c'est sur Facebook, puis c'est à partir de 19h, animé par Marilyn Jonca, notre chum. Oui. Venue au podcast. Oui. Marilyn, elle anime ça. OK. Ça dure 45 minutes, écoute. Puis je pense que si tu veux commenter, tu commenteras, puis on te dira allô. Parfait. Puis là, Marilyn, elle va faire quoi exactement là, comme animation? C'est quoi exactement la job de Marilyn? Ah, salut, on est. C'est juste de tisser les liens entre les blocs. Là. Alors, okay. elle s'est tapée la série hier, puis elle m'a dit qu'elle avait vraiment aimé ça. Fait que je suis vraiment content. Là, elle a dit qu'elle a trouvé ça vraiment drôle. Fait que je suis pas stressé, mais ça m'a enlevé un petit stress que. Ben oui. Avoir l'approbation puis avoir le support de nos pères, c'est quand même important, là. Oui, puis surtout des gens que tu apprécies. Marilyn Jonca, oui. Je la trouve excessivement drôle. Pis, ben oui. Elle est fine en crise. Puis Guillaume, toi, à chaque vendredi, sur via TV5. Oui. Tribal. Oui, c'est ça, Tribal, 9h ou 9h30. Là, regardez l'horaire, là, ça a changé la semaine passée. Je pense que ça devrait être 9h cette semaine. Cette semaine, c'est en Mongolie. Donc, la semaine passée, on était dans le plus 40 degrés. Là, on est dans le moins 40 degrés. C'est un des shows les plus spectaculaires au niveau visuel, à cause du décor, à cause de comment c'est filmé. Je vous dirais, c'est un des préférés de haut la main, là, celui qui s'en vient. OK, bon, ben regarde, on se donne rendez-vous. Je l'ai-tu TV5? C'est sûr que j'ai ça sur ma télé. Non, pas nécessairement. Au pire, tu vas sur Internet, tv5.ca, puis c'est tout en ligne. tv5uni.ca, c'est ça. OK. Bon, ouais. Ben, je vais aller écouter en tout cas le premier épisode à soir, Guillaume, puis pour me préparer pour celui du vendredi. Ouais, ouais. Ben, tu m'en donneras des nouvelles, puis moi, je vais être là en train de suivre ça à 7h sur Facebook, puis bravo, je suis vraiment content. Ben, merci. Puis là, on s'est-tu comme ça après, quand on va finir, là, on peut laisser ça sur. C'est-tu que je suis pas bon, moi, en technologie, là? Alors, ce qu'on m'a dit.
clique sur finir la réunion. Après ça, je clique sur arrêt de la diffusion live. Puis là, théoriquement, elle reste là. Oui. Fait que c'est ça qui va se passer. Tu vois, là, j'ai le bouton ici, arrêter diffusion en direct. Fait que moi, je vais terminer ça là-dessus. J'ai vraiment du fun, Guillaume. On se revoit mercredi prochain. Oui, puis peut-être on peut penser à un invité, là, s'il y a quelqu'un de libre, là, tu sais, un de nos préférés, là. On appelle un, puis on jase là, un petit peu. Là, on fait un petit bloc ensemble, là, deuxième demi-heure, on peut le faire avec un invité. On fait tout ça. J'ai le goût avec toi, là. On continue-tu encore la première demi-heure sur Instagram? Peut-être un invité. Oui, ça pourrait être le fun. OK. Écoutez, si vous avez des suggestions, la gang, écrivez-nous. J'ai l'air d'un animateur de Kanjo. La gang, écrivez ça en commentaire. Une personne que vous aimeriez, ça pourrait être crime. On pourrait même. Ils sont un peu dans le jus, mais un infirmier, une infirmière. Ou... C'est très possible. On s'en reparlera. C'est bon. Fait que bonne chance avec ta mise en ligne du Zoom. Oui. Ça va bien aller. Puis. Ça va bien aller. Pour ceux qui ont l'espoir. Puis il fallait que je plug ça, puis après ça, si je parle trop, je vais me puncher dans la gorge. Je mets les lives Instagram sur le YouTube également, sur notre YouTube. Ouais. Répète pas ça. Ouais, donc, si vous n'êtes pas abonné, vous avez accès à la première demi-heure. Via YouTube. C'est ce qui complète notre répète pas ça live, Guillaume. OK. Ben, c'est cool. Super. Et puis, have fun ce soir. Puis, on se voit la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Yes, merci. À bientôt. Ciao, Guillaume. Bye.